la Côte d'Ivoire a perdu en quelques décennies plus de 80% de son couvert forestier. L'alarme a été tirée en 2018, car la chute de la pluviométrie qui en résulte met désormais en danger la production agricole. Dans ce contexte de disparition massive des forêts, le parc national de Taï, situé à la frontière avec le Libéria, fait figure d'exception. Car aujourd'hui, avec ses 536 000 hectares, il constitue le plus grand bloc intact de forêts primaires de toute l'Afrique de l'Ouest. L'histoire de la création du parc national de Taï remonte à l'époque coloniale, en 1926. Mais c'est en 1972 que ce massif forestier devient le parc national de Taï. Plus de 200 espèces de plantes dans le parc sont endémiques. On y dénombre 234 espèces d'oiseaux et parmi une multitude d'animaux, les éléphants de forêt en danger d'extinction, tout comme l'hippopotame pygmée et une population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest dont les comportements uniques en font une exception scientifique. Aussi, le parc national de Taï est déclaré réserve de biosphère en 1978 et l'UNESCO l'inscrit en 1982 comme site du patrimoine mondial de l'humanité. Cependant, ce long chemin n'a pas manqué d'embûches. Et le parc, à l'instar des autres aires protégées au début des années 2000, était gravement menacé par des intrusions de toutes sortes. En réaction, l'État de Côte d'Ivoire a créé en 2002 l'Office ivoirien des parcs et réserves, un corps d'élite émanant du ministère de l'Environnement. Au cœur des actions déployées par l'OIPR, des commandos forestiers entraînés et équipés effectuent des patrouilles de longue durée. Les derniers résultats du suivi écologique attestent que la surveillance de l'OIPR a effectivement protégé le PNT. Mais les succès sont fragiles, car malgré leur efficacité, les menaces sur le parc persistent. L'OIPR constate un manque d'intérêt des riverains et sa mission souffre des incompréhensions auprès de la population. Afin de remédier à cette situation, la WCF, partenaire de longue date de l'OIPR, décide d'apporter sa contribution. Avec le soutien de USAID, elle organise une tournée de sensibilisation tout autour du parc en collaboration avec la troupe théâtrale d'Alma Productions. En amont de la tournée de théâtre, des rencontres et discussions avec les communautés riveraines ont été organisées. Cela a permis de faire remonter des informations et des exemples concrets, illustrés dans la pièce et regroupés dans quatre thématiques. La persistance du braconnage tant sur terre que sur l'eau. Vous avez repris le braconnage. Non. Vous avez repris le braconnage. On a arrêté. Les agents ont vu 5 chimpanzés qui ont été tués à côté du centre de l'écotourisme. Oh. Là où vous n'avez pas de travail. Chef, ça tombe bien. Quel chef des braconniers. Moi, c'est pas braconnier. Là, notre dirigeant braconnier. Il y a tout, il est braconnier. Et puis, il y a les Burkinabés qui sont braconniers. Non, pas de nous, hein. C'est notre village de Yagouba. Arrêtez-moi ça. Je vous informe. Si mes agents vous attrapent dans le parc, là, on se connaît pas. De Taï. Sinon, si on t'avait pris, voilà. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est dans ta cellule que tu aurais fait ça. Je pense que c'est une leçon que nous tous nous devons tirer. Protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. L'orpaillage clandestin avec utilisation de mercure dans et autour du parc. C'est mercure, nous mettez dedans. J'espère que c'est pas dangereux, hein. Et non, ça fait rien. Ça fait rien, ça. Parce que nous, on a notre poulailler là-bas. C'est même eux là qui s'en va là-bas. Faut pas savoir tuer notre poulet. Les amis.
avait envoyé à temps. Parce que une heure de plus, ce serait catastrophique. Oui. Et dites-moi, est-ce que vos enfants sont des orpailleurs? Orpailleurs, non. Oui. Il n'y a pas d'orpailleurs à la maison. C'est étrange, hein? Parce qu'après analyse de leur sang, il s'est avéré qu'il s'y trouve un taux très élevé de mercure. Mercure? Oui, mercure. Aujourd'hui, le poisson du cavali ne peut pas faire une heure dehors. On ne peut pas le conserver pour longtemps. Il suffit seulement que l'air passe dessus et ça commence à s'avarier. Donc imaginez un peu quand l'homme consomme lui-même. Ça dit qu'il n'a pas assez de chance. Donc toutes ces maladies que nous rencontrons chaque jour que Dieu fait, c'est à partir de ce genre de choses. On demande à tous nos parents de vraiment sauver la population. La méconnaissance des missions de l'OIPR, dont le rôle et les responsabilités ne sont pas clairs pour les riverains. Même des ONG qui viennent vous voir pour proposer des projets. Est-ce qu'il y a des projets? Ça m'a bien fait du mal. Il n'y a pas de projet. Mais et l'OIPR? Hein? L'OIPR. Oui, il ne faut pas parler de ça. C'est grave. J'ai dit zéro projet, rien. Le parc national, il ne nous donne rien. Il n'y a pas de projet, on ne comprend rien. Vos centres de santé, vous avez conçu là. Ça ne peut même pas contenir nos femmes enceintes. Il y a des femmes qui accouchent dans la cour même là-bas. Non, OIPR n'a rien fait ici, je vous dis. Rien. Vous les gens de OIPR là, vous arrachez mon plantation. Est-ce que tu vas? Mais dans mes rapports là, j'ai lu que l'OIPR a réparé deux pompes dans ce village. Si vous avez des projets, ou si vous êtes en train de faire un projet là maintenant, passez me voir à mon bureau. Parce qu'on a un service qui s'occupe de transmettre les projets à des ONG. Alors donc passez me voir et puis je... Il faudra aussi que de temps en temps l'OIPR nous fasse un peu un bref de leurs activités. Parce qu'on ne sait pas en réalité qu'est-ce que l'OIPR fait, qu'est-ce que l'OIPR ne fait pas. L'OIPR a fait la clôture de l'hôpital de Zagné. Moi, je n'avais pas cette information-là. Et puis, des taillis aussi. Donc, on souhaiterait vraiment que sur ces actions-là, l'OIPR puisse communiquer véritablement pour qu'au niveau de notre département, on puisse savoir ce qu'ils font et puis les appuyer pour pouvoir les accompagner. L'attitude des populations face au projet de développement, dont le taux d'échec est considérable. À toute la jeunesse, les jeunes de maintenant qui ne connaissent rien, comment on gère l'argent d'une coopérative? Il faut des nouvelles. Oui. J'ai gagné l'argent. Ah, 2 millions. Oui. Mais quand je suis sorti de là-bas, tout à coup, subitement, je vois beaucoup d'hommes devant moi. Ils ont commencé à dire mon oncle, quoi, si un gamin il a mort. Tu ne vas pas me dire que c'est les 2 millions là, tu as utilisé pour la prime de rien. Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de raconter après le funérailles. Faut prendre le message ici. L'argent qui est parti prendre là-bas. C'est combien? C'est ça, il demande. C'est 100 000. Tu n'as pas mangé l'argent des bouillards? Toi, c'est toi qui as mangé l'argent de l'appel. Toi qui as mangé l'argent des portes. Les gens ont tout reçu. Je suis assis, tu viens, tu me dis, voilà un poulailler, voilà des poussins, il faut élever. Si tu veux, tu vas vendre, tu vas avoir bénéfice. Bon, premier souci, le monsieur, c'est de courage. C'est de courage, il s'est dit, bon. À ce moment-là, j'ai dit, je voulais faire l'élevage. Aujourd'hui, on a dit que c'est grâce à ce parc qu'il y a la pluie. C'est grâce à la pluie que nous, on a le cacao, on a le levain. C'est pour dire que la conservation nous concerne. Je souhaiterais que l'OIPR pense au futur pour que les enfants d'aujourd'hui puissent visiter ce parc national. Pendant les vacances, par exemple, quand les enfants sont libres, pour prendre au moins un jour, aller visiter le parc national de Taï. Parce que aussi, c'est notre patrimoine. Le théâtre, c'est l'un des moyens les plus puissants de communication, de sensibilisation. Et par cette action, nous savons que plus d'un a été touché pour être sensibilisé.